Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nuria TV, je suis Guillaume et vous soyez les bienvenus sur notre média. Je suis très 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 heureux de vous retrouver ce soir pour une émission spéciale archéologie péruvienne. On va retrouver notre ami Thierry Jamin ce soir sur l'antenne, ça fait quelques mois déjà que nous ne l'avions pas vu et on s'est dit on va faire une petite émission, donner quelques nouvelles, faire un petit tour des dossiers qui nous intéressent du côté du Pérou. Donc ce soir, j'espère que vous serez heureux d'en apprendre un petit peu plus et de voir quelles sont les dernières nouvelles concernant tous les dossiers que Thierry traite du côté de cette archéologie péruvienne. Je regardais les commentaires avant de lancer le direct, il y en a un qui m'a beaucoup plu, je vais peut-être même pas le retrouver, mais quelqu'un qui disait ça fait du bien de retrouver Nuria TV, de s'évader pendant 2 heures et d'oublier les dictateurs en gros qui nous entourent. Alors sans parler de dictateurs, effectivement ça fait du bien de se sortir du marasme qui nous entoure au quotidien avec cette fichue pandémie, et si on peut s'évader pendant 2 heures et penser à autre chose, eh ben, on aura déjà réussi une grande mission. En tout cas je suis très très content de vous retrouver les amis. N'hésitez pas, si vous voulez utiliser le chat ce soir, je prendrai des questions tout au long de la soirée pour les soumettre à notre invité. Et puis si vous avez des commentaires, si vous voulez échanger entre vous, eh ben, le chat est là pour ça. Zingaro Lazare qui nous dit « Je suis sûr que c'est Nora qu'on aura ce soir ». Eh ben non, voilà, si c'est Nora, il y a eu quelques modifications physiques. Non, c'est pas Nora qui animera ce soir, c'est moi qui aurai le plaisir de recevoir Thierry sur l'antenne. Je vois que vous êtes déjà nombreux connectés, donc ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, on accueille Thierry sur l'antenne de Nuria TV. Thierry, sois le bienvenu parmi nous. Bonjour Guillaume, écoute, c'est toujours un grand plaisir. Bonjour à toi, bonjour à Nora et bonjour à tous les internautes qui nous regardent. Moi aussi, ça me fait super plaisir de te retrouver après quelques mois de parenthèse. Depuis mars, la dernière fois qu'on s'est vu sur cette antenne, c'était au tout début du confinement pour la France. C'était à peu près pareil du côté du Pérou, avant qu'on s'intéresse à l'archéologie. C'est bien quand on a des invités qui viennent de l'autre bout du monde. Comment ça se passe en ce moment du côté du Pérou, avec les contraintes sanitaires, le Covid qui circule, etc. Est-ce que c'est bien différent de la France? Est-ce que tu peux nous donner quelques infos? On est de nouveau en confinement depuis le 31 janvier. Pas tout le Pérou, seulement la région de capitale, Lima, et une dizaine de régions. Par chance, Cusco, on n'est pas encore en confinement, mais on a de sévères restrictions. Mais bon, globalement, on va dire, il y a pire. Et c'est aussi je regarde les informations, évidemment, tous les jours en France. Beaucoup de gens se plaignent et parfois ils ont raison, mais s'ils regardent ce qui se passe dans d'autres pays comme au Pérou, c'est le gros bordel. On est en plein dans un vaccin guette depuis 2 jours ici au Pérou, puisqu'on a appris que l'ancien président qui a été destitué il y a quelques mois a reçu le vaccin contre le Covid et une partie de son gouvernement et puis des gens assez riches, du showbiz, etc. Il y a à peu près 400 personnes qui ont reçu depuis il y a 2-3 mois le vaccin chinois. Alors là, la population au Pérou est dans les rues depuis aujourd'hui, justement, pour crier scandale, quoi, parce que c'est d'abord tous les nantis qui ont reçu, enfin tous les nantis, en tout cas certains nantis qui ont des passe-droits, fait vacciner, ouais, voilà, qui ont des passe-droits, qui se sont fait vacciner il y a déjà quelques mois, depuis le mois de novembre, je crois, et il y a déjà 4 démissions du gouvernement actuellement, et c'est pas terminé. D'accord. Enfin voilà, donc. En France, je pense que vous êtes quand même bien, bien lotis malgré tout. Après, le vaccin, moi je suis pour le vaccin, soit dit en passant, mais il va falloir que nous attendions, nous le pauvre peuple, il va falloir qu'on attende 6 mois, 7 ans, 7 mois, peut-être à la fin de l'année, pour recevoir les premiers vaccins. Voilà, c'est... un peu le problème des pays du tiers-monde. D'accord. Donc, ouais, autre ambiance du côté du Pérou. Comme ça, c'est bien. On a les informations en direct, de sources sûres. Donc, merci pour ça. Alors, ce soir, Thierry, on a décidé de faire un petit tour d'horizon des différents dossiers qui parcourent ta carrière d'explorateur, d'archéologue.
Il y en a un dossier central, et on va y passer du temps un peu ce soir, c'est Paititi, cette fameuse cité légendaire perdue au milieu de la forêt amazonienne. On va voir qu'il y a des projets, il y a des choses qui vont se mettre en place prochainement. Il y a des projets, il y a des progrès. Très bien, projet, progrès. On a déjà deux rimes pour notre chanson. Je prépare le refrain. et puis il y a deux autres dossiers qui, eux, sont venus un petit peu par hasard dans ton parcours. Ces fameuses momies de Nazca qui sont sorties de nulle part, il faut le dire, qui se sont présentées à toi. Ça a beaucoup fait parler et on va y revenir en début d'émission. Et puis on touchera quelques mots aussi sur le site du Machu Picchu, puisqu'on avait fait une émission ensemble. Et il y a un livre d'ailleurs qui était sorti à ce sujet-là. Je vous le montre, les amis. Hop, Machu Picchu, non, parle à Guillaume, voilà, la chambre secrète. Et tu nous diras aussi où ça en est, si ça a bougé, ce que tu en penses, comment tu vois les choses évoluer pour ce dossier-là, de cette fameuse chambre secrète, sur le site du Machu Picchu. Avec plaisir. On va commencer ce soir sur un dossier qui a fasciné tout le monde, qui continue de façonner énormément de personnes, moi le premier, ces fameuses momies de Nazca. Alors je précise, ce soir, on ne va pas réexpliquer tous les dossiers. Si vous êtes là, les amis, j'imagine que vous les connaissez en grande partie, que vous les avez suivis. Ce que je te propose quand même, si parmi nos auditeurs, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ces momies de Nazca, il y a des films qui vont sortir, puisque toi et notre ami Alain Bonnet, avec Jungle Dog Productions, il y a toute une série de documentaires sur Paititi, sur Machu Picchu, qui sont déjà accessibles. Sur Paititi, c'est une Camazonia, on en reparlera. Et il y a six épisodes, un documentaire en six épisodes, sur ce dossier des momies de Nazca, qui est en cours de préparation et qui devrait bientôt être disponible. Et ce que je te propose, avant qu'on discute de tout ça, il y a un petit trailer. Alain m'a envoyé ça récemment, un petit cadeau pour les Nuréens à partager. Donc on va lancer ça, il y aura quelques images, ça permettra à tout le monde, pour ceux en tout cas qui ne connaissent pas le dossier, de voir de quoi on parle, quelles sont ces momies, et après on en discute. Avec plaisir. Allez, c'est parti, trailer Alien Project, le trailer qui présente les premiers épisodes. Al ingresar han encontrado un sarcófago de piedra. Voilà, de quoi nous mettre l'eau à la bouche sur ces six épisodes au sujet des momies de Nazca. Alors,
Avant de rentrer sur le dossier, on va préciser quand même qui a fait quoi sur cette série de documentaires. Toi, Thierry, t'es à l'écriture, bah, t'es quand même le protagoniste du dossier, t'as tout suivi depuis le début. Donc, t'es à l'écriture de ces docs. Alain Bonnet, que je citais tout à l'heure, qui fait un travail assez colossal sur le montage, on l'avait déjà vu sur Incamazonia et Machu Picchu, et là, il s'y recolle et c'est lui qui a la réalisation. C'est à la fois un super professionnel et un vrai artiste hein, parce que il est quand même très fort. Ouais, et l'occasion pour nous de faire un gros bisou à Alain et de le remercier. Bisous mon frérot. Voilà, ça c'est important. On précise aussi la musique Michael Viclaz. Michel, Mich Michel Michel Viclaz. Viclaz, moi les prononciations j'ai beaucoup de mal, m'en veuillez pas les amis. Pour la musique du film, pour les animations en 3D, c'est Christophe Serres. Ouais. Et puis un autre nom qu'on connaît bien du côté de Nuria, notre ami Manuel Terrac, qui lui a ré réalisé pas mal d'illustrations qui ont ensuite été Salut Manu. utilisées Ouais. pour les animations. Et là aussi, on a affaire à un artiste. Ah ouais, il nous a fait Manu nous a fait des illustrations, des animations ici au Pérou, on dirait de la puta madre, tu vois. Mais vraiment magnifique, c'est aussi un grand artiste et vraiment les détails. Et je pense que tous ceux qui vont découvrir ces six films vers la fin de l'année, début 2022 peut-être, vont être enthousiasmés, je pense. Ouais, puis avec ses illustrations, alors moi je suis depuis longtemps quand il partage ses planches sur le web, et Manu il a cette capacité artistique de nous les mettre en contexte, ces momies, et Tout à fait. de leur donner un peu de corps, elles en ont déjà, mais un peu d'âme. Tout à fait. Par ailleurs, Manu, il suit l'affaire depuis les tout débuts. C'est vraiment un sujet qui le passionne. Et donc, qui d'autre était mieux placé que lui pour recréer ces univers décrits par Mario et toutes ces animations. Donc, on est vraiment, Alain et moi, super contents du travail de Manu. Encore Ouais. une fois, Manu, good job. Bravo, bravo l'artiste. Sur Ouais. ces momies, il y a quelqu'un qui demandait sur le chat, si demain on va au Pérou, est-ce qu'il est possible de les voir? Et on a vu déjà depuis quelques mois, vous avez réussi à ce que ces momies intègrent la collection de l'université d'Ica pour y subir Ouais. des études, des analyses, etc. Où est-ce Ouais. qu'on en est? Est-ce que les momies sont toujours dans cette université? Et est-ce qu'il y a des nouveaux travaux qui sont entrepris pour essayer de comprendre qui elles sont, d'où elles viennent et... Alors nous, on a remis entre les mains de l'université d'Ica quatre momies, à savoir Maria, Wawita, Albert et Victoria. Et l'équipe du docteur Zuniga a réussi à récupérer un autre corps semblable à Josefina, qu'il a baptisé Louisa, qui contient également des œufs et sur lequel ils ont fait pas mal d'analyses. Scanner, ils ont également étudié les œufs, puisqu'il y avait ces rumeurs, ces affirmations totalement non fondées de la part de détracteurs qui assuraient qu'il s'agissait de pierres ou d'objets de métal. Et ils ont donc percé, fait une sorte de biopsie dans l'abdomen de Louisa et ils ont récupéré du matériel. Sur ces fameuses œufs. D'ailleurs, il y a une dizaine de jours, une chaîne allemande, ZDF, la chaîne nationale, a consacré un documentaire, enfin un reportage, plus exactement, d'une quinzaine de minutes sur ces analyses qu'il y a eu en février 2020 à l'université d'Ica. Et je dois dire que c'était un reportage relativement objectif, ça fait du bien, de la part d'un média mainstream. De présenter l'affaire sans a priori, ni négatif, ni positif. Ils ont fait du bon travail journalistique et à la fin du reportage, le présentateur était enfin conclu en disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une fraude, affaire à suivre. Et je trouve que c'est du bon boulot journalistique. Ouais, Et donc quand il y a une ils approche ont impartiale, quoi. Et un peu ouais, tout ouvert, à un peu fait. ouverte d'esprit. Voilà, ça fait du bien parce que ça n'a pas été le cas partout, on va dire.
pour titiller personne. Ne citons personne. Toi, donc les analyses de l'université d'ICA, pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé officiellement, il n'y a pas de résultats et Non. pas d'études qui sont sorties, mais tu nous confirmes qu'ils sont les momies sont pas dans un coin, oubliées, Non, non. stockées, et il y a vraiment des études qui sont encore entreprises, et Tout à on a fait. des chances d'avoir de nouvelles infos et de nouvelles données sur ces momies-là. Oui, dans le courant de l'année, il va y avoir également des études sur les œufs contenus à l'intérieur de l'abdomen de Louisa. Et pour répondre plus directement à notre ami internaute, il est effectivement possible de regarder, de venir voir ces momies à l'université d'ICA tous les vendredis. Et l'entrée est gratuite. Ah ben Voilà. 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 Maintenant, le reste du matériel archéologique, bon ben, découvert par Mario, il est entre les mains de son propriétaire, de son découvreur en tout cas. Et on espère qu'ils sont dans de bonnes conditions. Ouais, donc ce fameux Mario, effectivement, il y a encore des momies dans la nature, puisque tout le matériel qui aurait été récupéré dans ces grottes n'est pas parvenu à l'université d'Ica. Est-ce que toi, tu as toujours en contact avec ce Huaqueros, ce Mario, qui était une figure centrale dans le dossier des momies de Nazca? Ben, figure-toi que José Casafranca, le vice-président d'Incari, Qu'on salue. il était en communication téléphonique avec lui hier. Et d'ailleurs, il embrasse Nora, Mais voilà. parce que Nora lui a laissé un bon souvenir quand elle est venue au Pérou. Et voilà, quoi, il est très. Il suit de près, évidemment, l'affaire et ce qui se diffuse sur l'affaire de Nazca. D'ailleurs, il doit venir nous rendre visite dans très, très peu de temps. D'accord. Bon, ben, je transmettrai les amitiés de Mario à Nora. Écoute, D'accord. ça fait toujours plaisir. Dans le trailer qu'on a vu, donc on a vu des images. Vous êtes allé visiter des sites. Mario vous a montré des sites à toi et à ton équipe. Ouais, Il y a ces ouais. grottes dans lesquelles tu te faufiles. Et tu en parles dans un livre dont on va parler juste après. Tu es un peu sceptique sur les premiers sites que Mario prétend être les sites sur lesquels il a découvert ses corps. Est-ce que tu peux nous en parler déjà de ta visite sur ces sites-là et pourquoi toi tu es un peu resté sur ta faim sur cette visite-là? Bien, s'agissant du site de la petite caverne que nous sommes allés visiter en août 2017, on savait tout de suite que ce n'était pas le bon site, puisque déjà, matériellement, si tu veux, il n'y a pas la place à l'intérieur pour mettre tout le matériel que Mario prétend avoir découvert. Et donc, si c'était pas, s'il n'y avait pas la place, cela signifie que c'était forcément ailleurs. Et puis la localisation géographique ne correspondait pas du tout. On sait que le site, le véritable, est situé plus au nord de Nazca, en un point stratégique qui nous permet de voir l'océan Pacifique et à quelques centaines de mètres des géoglyphes de la pampa de Nazca. Donc, ce n'était pas là où ils nous ont emmenés. Mais je pense que dans le film que l'on va présenter vers la fin de l'année, on pourrait avoir du neuf sur ce sujet. Pour moi, le site, c'est vraiment la pierre angulaire de l'affaire de Nazca. S'il y a un site, c'est que bon, ça règle le problème de l'authenticité de cette affaire. S'il n'y a pas de site, on peut se poser des questions. Voilà. D'ailleurs, toi, tu en es où par rapport? Parce que on l'a souvent dit, on va y venir sur ce livre, tu vois, on a même eu le plaisir et l'honneur d'être, puisque c'est notre amie Christelle Séval des éditions Atlante, qui a eu la bonne idée d'éditer, d'ailleurs il y a même un petit mot de Christelle dans le livre, que je fais un gros bisou à Christelle, au passage. Aussi. Donc ce livre, je vais y arriver, Les momies non humaines de Nazca, dans lequel on retrouve l'histoire, un peu le déroulé, comment ça s'est passé, comment ce dossier était tombé dessus. On retrouve aussi énormément de Ouais. photos, d'infos, les analyses qui ont été effectuées, parce qu'il y a toute une batterie d'examens qui ont été effectués par l'équipe d'Incari et le projet Alien Project que vous avez monté autour de ça. Sur
Sur le fait de décliner ça en documentaire, est-ce que ces documentaires vont en apprendre plus que ce qu'il y a dans le livre? Est-ce que tu espères, comme tu dis, dévoiler un peu plus d'infos sur le site qui serait le vrai site de trouvailles? Est-ce qu'on va en apprendre un peu plus à travers ces documentaires? Je pense que oui, et de nouvelles analyses également qui seront entreprises dans le courant de l'année qu'on va intégrer dans le film. Et moi aussi, je voudrais saluer vraiment l'initiative de Christelle Séval parce que elle avait vraiment beaucoup d'ambition à travers ce livre, parce que c'est pas seulement le récit de cette histoire telle qu'on l'a vécue à l'intérieur de l'Institut Incarie, mais c'est 150 photos, il y a 60 scanners HD et plus d'une centaine de pages d'analyse réalisées par Incarie, par Terres Millénaires ou par Gaïa. Et donc je pense que ceux qui pensent que c'est une fraude ou ceux qui pensent que c'est authentique, ils ont un document relativement factuel qui leur permettent d'avoir une opinion relativement objective de cette affaire. Alors moi, je reste toujours avec des doutes, hein, mais je ne suis pas généticien ni biologiste, et je m'en tiens aux résultats des analyses. Et à moins de penser que Mario et ses camarades auraient découpé des brins d'ADN pour les assembler les uns aux autres, ça paraît quand même un peu compliqué. Après, les résultats d'ADN, ils sont ce qu'ils sont. Et je ne peux pas croire qu'une dizaine de laboratoires à travers le monde, qui comptent parmi les meilleurs du monde, et certains d'ailleurs sont consultés par le même ministère de la Culture péruvien, je ne peux pas croire que tous ces laboratoires se soient plantés comme ça sur cette affaire. Ouais. Donc, Donc on est quand même obligé de se dire les faits sont les faits, quoi. effectivement. Alors, je te disais, nous, on a eu le plaisir avec Nora d'être parmi les préfaceurs de ce livre. Et Ça a fait super plaisir, je te remercie. c'est le plaisir, il était vraiment pour nous. Au-delà du dossier, le fait de te suivre toi, on a toujours dit tout le bien qu'on pensait de ta démarche parce que on la juge toujours et encore sincère et intègre. Quoi qu'en pensent certains détracteurs, mais ça, on ne pourra jamais faire plaisir à tout le monde. Et donc, on va tirer une croix sur le fait de faire l'unanimité. Mais c'est ce qu'on disait, ce dossier, c'est les montagnes russes. Il faut savoir le prendre avec énormément de recul. Parce qu'on est passé par des phases de waouh, c'est un truc de Ouais. fou. Et puis, des fois, des données qui nous ramènent un peu plus les pieds sur terre en disant ouais, mais là, il y a quand même, au niveau de l'anatomie, certaines de ces momies, pas toutes, il y a des modifications, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, toujours avec du recul, tu es toujours aussi emballé par ce dossier ou est-ce qu'il te laisse un peu plus en retrait? Ah ben, emballé, oui, bien sûr, et je resterai jusqu'à la mort. Mais je suis toujours en contact avec un très bon ami, F2P, que je salue aussi parce qu'il nous regarde, qui a fait tout le traitement des images, des DICOM haute définition que l'on a réalisé, nous, Incarie, Terres Millénaires, mais également l'université d'ICA. Et il y a encore quelques jours, F2P, il veut pas dire son prénom, bon, ça le regarde. F2P, ça lui va très bien. Voilà. Et il me montrait encore une fois le talon de Maria, puisque certains pensent que le talon, le calcaneum, aurait été taillé pour lui donner un air alien, on va dire, non humain. Mais F2P me disait, il me montrait avec les scanners HD qu'il y a 1 ou 2 mm une espèce de pellicule qui montre que ça n'a pas été coupé. Et donc les pieds de Maria, il y en a deux, sont authentiques. Et à la limite, rien que ça nous montre qu'on n'est pas devant un pied, devant un corps Homo sapiens. Ouais, Mario ne peut pas avoir coupé, ni lui, ni ses complices éventuels ne peuvent pas avoir coupé le talon de Maria pour lui donner un aspect non humain. Parce qu'on le verrait dans les scanners HD et F2P travaille actuellement sur les scanners réalisés par l'UNICA, puisqu'il lui communique.
un scanner 128 coupes et F2P me dit, j'ai beau regarder, je ne vois pas d'intervention extérieure. Ça me semble authentique, ça me semble genuino, on dit ici en espagnol, authentique, on va dire. D'accord. Ouais, donc encore une fois, des éléments qui arrivent et qui nous font dire, ouais, non, mais arrêtez les gars, vous voyez bien qu'il y a du concret. Oui, tout à fait. Mais bon, il reste des interrogations. Par exemple, les têtes des petits gris, c'est vrai qu'elles ressemblent étonnamment à des parties de crâne, de lama, etc. Ça, on ne peut pas le nier. Mais quid du reste du corps? Les côtes circulaires, par exemple, si elles ont été montées dans le cadre d'une fraude ou dans le cadre d'une pratique ancestrale hein, pour reproduire peut-être des êtres qu'ils auraient vus il y a 1000 ou 2000 ans, sur quel animal ils seraient allés chercher des côtes circulaires? Et la foucou, là, tu sais, le bréchet, c'est des oiseaux, l'équivalent du bréchet là, que l'on retrouve chez certains dinosaures, sur quel animal ils sont allés le chercher? Et puis les œufs, et puis l'oviducte que l'on voit chez Josefina et le cloaque. Comment on aurait pu fabriquer ça de toutes pièces? Moi, je l'ai toujours dit. C'est peut-être la chose qui m'a le plus convaincu. Quand il y avait eu ces réunions que vous aviez faites avec des représentants des autorités péruviennes, il y avait eu on avait retransmis ça en direct. C'était la fois où Nora s'était rendue au Pérou pour, pour couvrir un peu la chose, et que les chercheurs avaient présenté tout l'appareil génital et reproducteur de Josefina. Oui, oui. C'était bluffant. Et souviens-toi, Guillaume, qu'on avait découvert un quatrième œuf en formation qui ne mesure que quelques millimètres et qui était à l'intérieur de l'oviducte. C'est quand même balèze, quoi. Alors moi, OK, ils ont pris ça d'un animal, mais quel animal? Et puis après, faut réunir tout ça, quoi, pour lui donner un aspect harmonieux, on va dire. Donc, ça me semble impossible. Mais encore une fois, je suis peut-être naïf. Et dans ce cas-là, on l'est beaucoup. On l'est tous quelque part. Mais voilà, donc il reste quand même des zones d'ombre. On a vu par exemple sur un petit gris que j'ai eu en main en octobre 2017. On lui a fait passer des radios. Et on a vu qu'il avait l'os de l'équivalent du fémur cassé et grossièrement emboîté. Et ça, on l'a vu dans les radios. Et donc, ça montre qu'ils ont été parfois manipulés. Mais tu sais, un mort moderne, dans une morgue, je ne sais plus comment on dit, le chiropracteur, là, celui qui arrange les morts. Le thanatopracteur. oui, voilà. Il va également trafiquer, manipuler le corps pour qu'il soit présentable aux familles. Il peut y avoir des interventions post-mortem sur des corps, qu'ils soient humains, voilà, ou d'origine inconnue, comme c'est le cas de ces momies. Tout à fait. Et d'ailleurs, cet os qui était emboîté grossièrement, on s'est dit que c'était difficile d'imaginer que les Wakero auraient pris ce risque, sachant qu'on allait tout de suite l'emmener dans une clinique pour lui faire passer des radiographies, qu'on allait le voir immédiatement du premier coup d'œil, et ça pouvait jeter le discrédit et donc leur business sur tout le reste de l'affaire. Donc je pense que c'est pas le fait de Wakero, mais par exemple dans la civilisation des Chinchorros au nord du Chili, c'est ce peuple qui a produit les momies les plus anciennes du monde. Elles sont certaines ont 7000 ans, les Chinchorros, parfois, ils reconstituaient les momies, ils reconstituaient les morts, et parfois ils cassaient les os pour que tout rentre dans cette petite momie. Et ils utilisaient une espèce de pâte à base de terre et de fibres végétales pour reconstituer la peau, etc. Et donc, la zone des Chinchorros, c'est la région du désert d'Atacama, c'est une région voisine de Nazca. Et on pourrait très bien dire, on pourrait penser que les Nazca, en tout cas les peuples qui ont eu ces objets entre les mains, se sont peut-être inspirés de la technique des Chinchorros pour parfois momifier, pour retoucher certains membres de leur momie.
Quoi qu'il en soit, même si c'est pas l'hypothèse que personnellement je retiens le plus, même si au moins pour une partie de ces momies, pour d'autres, même si on a affaire à des momies qui ont été créées, modifiées avec des modifications corporelles créées par ces peuplades, on a affaire à quelque chose en termes de matériel archéologique d'assez exceptionnel Exactement. qu'on voit qu'une fois dans sa vie. Tout à fait. Et si, même si, comme tu le dis, ces momies avaient été faites de toutes pièces par les Nazca, on pourrait parler de chimères, comme disait Alain Hubrecht il y a quelques mois, ben, le problème historique reste pratiquement entier, parce qu'on peut se demander pourquoi les peuples précolombiens de cette époque ont eu le besoin de recréer des êtres humanoïdes tridactyles si différents de l'espèce humaine. Oui. Et pourquoi non seulement ils auraient reconstitué des corps, mais également ils ont reconstitué ces êtres sur des géoglyphes, sur la céramique, sur des tissus. Et ça, on ne peut pas soupçonner Mario d'avoir dessiné ces tridactyles parce qu'on les voit partout sur toute la côte sud de l'Amérique du Sud. Oui, Et c'est il y a des représentations qu'on retrouve sur plein de supports différents qui font référence aux mêmes spécificités anthropologiques. On parlait de Exactement. tridactyle, c'est trois doigts, c'est pas humain, en termes de Et de type. référence. Exactement. Et moi, j'ai survolé avec Michel Ribardière et l'équipe de M6 il y a 2-3 ans le plateau de Nazca et le pilote nous a montré un géoglyphe. C'est un géoglyphe de 24 mètres. C'était la reproduction quasi parfaite de Josefina, un être de type reptilien avec trois doigts aux mains, aux pieds et qui en plus. Tenait dans la main gauche, je crois, une espèce de petit sac à main. C'est un objet que l'on retrouve Chez chez certains personnages. des Sumériens, chez Exactement. les Anunnaki, dans les traditions sumériennes, ce petit sac que portaient Voilà. les représentations des dieux sumériens. Voilà que l'on retrouve sur ce géoglyphe que l'on a survolé. Alors, cette iconographie, elle est un fait, on ne peut pas la nier. Et on pourrait penser qu'il s'est passé quelque chose. On va pas refaire tout le débat Non, mais de cette affaire, on peut faire des hypothèses. mais en tout cas, simplement pour dire, excuse-moi de Je te t'en prie. couper la parole, on est à plus de 4 ans du début de cette affaire et on n'a toujours aucune preuve de la fraude. Moi, je vais te Voilà. dire, pour l'anecdote, quand cette histoire a démarré, c'était en 2016, dès 2017, en début 2017, on avait déjà fait une émission avec toi. On était tous les yeux écarquillés en se disant c'est pas possible. Et je me rappelle après cette première émission avoir dit à Nora, tu verras, ce dossier c'est comme Roswell. 20 ans après, on sera toujours à se poser des questions parce que les Ouais. choses peuvent pas être aussi simples que ça. Et je pense que tu vois déjà 4 ans après, on est encore à se poser, à retourner les choses dans tous les sens et essayer d'y voir clair. Il y a un commentaire qui me plaît beaucoup, il y a Stéphane qui nous dit, j'ai beau ne pas y croire, j'ai toujours envie de vous écouter, d'en savoir plus, de comprendre au mieux. Et je dis merci Stéphane, vous avez le droit les amis de ne pas y Exactement. croire, vous avez le droit d'être de ceux qui pensent que non, on est face à des choses qui ont été modifiées par l'homme de manière peut-être contemporaine. En tout cas, merci Stéphane pour cette ouverture d'esprit. C'est drôlement agréable de pouvoir avancer des arguments, des hypothèses, tracer Tout des à plans fait. sur la comète avec des gens qui restent ouvertes. Il y a Mackies Flo qui nous dit quelle est aujourd'hui la position du gouvernement péruvien face aux analyses des momies? A-t-elle évolué? Déjà, est-ce qu'ils embêtent l'université des cas? Est-ce qu'il y a un risque pour ces momies? Qu'est-ce que font les autorités péruviennes? Alors, pour le moment, ils ne font rien. Pour la petite histoire, j'avais une conférence en ligne il y a quelques jours. À Nazca et les organisateurs ont reçu des pressions du ministère de la Culture de Nazca pour l'annuler en disant qu'ils allaient faire la promotion d'une imposture et etc. Alors que la justice a débouté 4 fois de suite le ministère de la Culture qui accusait Mario et moi également. D'atteinte au patrimoine culturel de la nation. Et la justice a rendu son avis en septembre 2019 en disant que non, il n'y a pas d'atteinte au patrimoine culturel. Donc ça a Voilà. été tranché par la justice péruvienne.
Exactement. Mais le ministère de la Culture campe sur ses certitudes. C'est dommage parce que je pense qu'il passe à côté de quelque chose, d'un événement extraordinaire. Un commentaire, lui, il revient souvent, et on en a déjà parlé avec toi, avec Alain, en off, mais je pense que c'est important de les prendre ce genre de commentaires. Il y a Marquèche qui nous dit quel dommage d'avoir appelé ça Alien Project. Si c'était à refaire, est-ce que toi et Alain, vous reprendriez ce nom pour autour de l'étude de ce dossier, qui renvoie forcément aux extraterrestres, à une vie exogène? On peut émettre l'hypothèse qu'on a affaire à des êtres venus d'ailleurs, mais il y a d'autres hypothèses qui peuvent tenir la route. Oui, tout à fait, mais mea culpa, entre guillemets, parce que c'est moi qui ai eu l'idée de ce nom. C'est quand on a lancé le projet Ulule, on s'était dit avec Alain qu'il nous fallait un mot. Alors, projet d'analyse, etc., etc., c'était pas très vendant, c'était pas très vendeur. Donc, on a essayé de trouver un mot, un terme un peu plus. Comment dire, un peu plus, j'aime pas le mot, mais un peu plus commercial, si tu veux. Et bon, l'Alien Project m'est venu à l'idée, c'était à la fois alien dans le sens de inconnu, étranger, et pas seulement d'origine extraterrestre. Mais Oui. bon, il y avait quand même cet arrière-fond, puisque vu le contexte, on ne pouvait pas ne pas penser que ça puisse venir d'ailleurs. Donc on assume, on a toujours assumé, et je pense que ni Alain ni moi nous le regrettons, puisque Alien Project, bon, les gens ils savent de quoi il s'agit. Mais ceci dit, tu as raison de le préciser, on a cette vision dans la francophonie du mot alien comme renvoyant forcément à extraterrestre. Si je ne me trompe pas, alien, ça veut dire étranger, extérieur à. Voilà, et pour nous. Ce terme alien, ben, ça faisait vraiment la rencontre entre l'hypothèse extraterrestre, certes, mais également l'hypothèse étrangère, inconnue, une espèce inconnue. Voilà, donc ça permettait de résumer bien l'état de la question au tout début de l'année 2017. Et je dois dire que nous sommes au début de l'année 2021, on est toujours à nous poser la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça vient des étoiles ou est-ce que ça vient de la Terre? José, José de la Cruz, pardon, le biologiste mexicain, pense que il est très possible que ça vienne d'une espèce terrestre qui aurait pu peut-être évoluer parallèlement à nous et pourquoi pas. Ça reste dans les hypothèses. Il Voilà. y a notre ami Yves Herbeau que je salue, qui nous dit pas Salut obligatoirement Yves. salut, qui nous dit pas obligatoirement une fraude moderne, ou alors il faut prouver la modernité des mutilations. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, si c'est une fraude, le terme est mal approprié. Si ça a été fait il y a 7000 ans, on ne peut pas parler d'une fraude. On pourrait parler de pratiques culturelles et qui font référence à des choses qui peut-être nous dépassent. Tout à fait, j'en parlais avec Yves, que je salue. Donc, c'était peut-être, ça a peut-être, parmi les hypothèses, été une reconstitution des Nazca ou de certains autres peuples, puisque certaines datations datent de près de 7000 ans. Mais si tel est le cas, le problème historique et archéologique est pratiquement le même. Parce que pourquoi des peuples, il y a 2000 ans, ont eu la nécessité de reproduire ce genre d'être tridactyle. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, avec quels os pour les côtes des Petits Gris, la Foucoula, comment dans le cas de Maria, on a des empreintes digitales qui ne sont pas Homo sapiens? Comment on recrée de fausses empreintes digitales? C'est plus compliqué de faire un billet de banque, hein, un faux billet de banque. Je pense qu'il aurait été plus simple, effectivement, de faire des faux de billets pour gagner de l'argent que ces corps-là. Alors, Tout à fait. c'est très rigolo sur le chat, il y a forcément des gens qui sont, appelons ça, je ne sais pas si c'est le bon mot, des détracteurs, qui ont une vision très scientifique, mais pas si scientifique que ça, parce qu'il me semble que la science mérite un peu d'ouverture d'esprit et un peu de recul. J'ai vu des commentaires donc, qui disaient « la science a prouvé que c'était faux ». Et effectivement,
certaines analyses scientifiques, certains arguments scientifiques amènent à croire que des parties de certaines de ces momies sont modifiées, on a face à des modifications corporelles. Mais en ayant un esprit scientifique ouvert, on est bien obligé aussi de dire qu'il y a des arguments scientifiques qui disent, regardez, ça n'existe pas et c'est pas trafiqué. On ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Mais Guillaume, cet internaute que je salue aussi, parce que moi je suis. Si c'est faux, c'est faux, si c'est vrai, c'est vrai. Mais la science a prouvé que c'est faux. Ah bon? Merci de me l'avoir appris, de me l'apprendre, parce que je n'étais pas au courant. La science a appris que c'était. Enfin, a déterminé que c'était faux. Mais il a vu ça où, l'internaute? Non, il n'y a aucune étude scientifique qui a prouvé que c'était faux. Toutes les études scientifiques sérieuses, toutes les études scientifiques, tous les laboratoires, toutes les équipes qui se sont penchées directement sur le matériel ont conclu que c'était authentique. Alors, je ne sais pas où sur quel blog notre ami internaute est allé trouver ces informations. S'il a plus d'informations que j'en ai moi-même, il peut me les envoyer, hein. Voilà Non, qui. la science n'a pas prouvé, n'a pas démontré que c'était faux. Je sais pas où il est allé chercher ça. Je vais te prendre un exemple. On a vu que sur Wawita, l'analyse anatomique a montré qu'il y avait eu des modifications corporelles. Toi, Tout à fait. dans ce genre de situation, c'est la science, c'est des anatomistes qui ont étudié les corps et qui ont dit, nous, notre analyse, c'est qu'il y a eu une modification corporelle. C'est dans ce sens-là que je veux dire que la science a montré aussi des incohérences dans le dossier, Tout à fait. mais dans un équilibre qui est assez déconcertant et qui nous amène encore 4 ans après à nous poser des questions, la science a aussi dit, à travers des analyses de divers spécialistes, ça, c'est pas modifié. On parlait tout à l'heure de l'appareil reproducteur de Joséphina. Il n'y a aucune explication scientifique pour nous expliquer pourquoi ça se retrouve là, si ce n'est d'un truc qu'on ne connaît pas. Tout à fait, pas plus que pour les empreintes digitales, j'insiste, parce que comment on crée des empreintes digitales, de fausses empreintes digitales? Et puis il y a quand même les résultats ADN qui sont là. Tu sais, Guillaume, aujourd'hui, dans la plupart des tribunaux à travers le monde, les empreintes ADN, les analyses ADN, ce sont les preuves pratiquement définitives Ultime. qui vont te innocenter ou qui vont t'envoyer pour toute ta vie en prison, derrière les barreaux. Et donc, c'est parce qu'on considère que les analyses ADN sont très, très sûres. Ces analyses ont été faites dans plusieurs laboratoires. Elles ont été vérifiées après la conférence au Congrès et elles ont été comparées avec plus d'un million de races, d'espèces animales et végétales. Et ils ont conclu que ça n'appartenait pas à des espèces connues. Alors bon, moi, encore une fois, je ne suis pas spécialiste et je répète Mais bêtement le contenu des rapports. ça reste des faits relativement parlants et qui méritent encore une fois qu'on reste les yeux grands ouverts sur le dossier. Tout à fait, tout à fait. Et sans être manichéen, dans un sens ou dans un autre, on est quand même obligé de reconnaître que la science est face à une grande interrogation et qu'il y a au jour d'aujourd'hui, 16 février 2021, beaucoup plus d'éléments qui militent en faveur de l'authenticité que d'éléments qui militent en faveur d'une fraude. Et comme le dit Yves Herbault, ça pourrait très bien être également, dans certains cas, des reconstitutions faites à l'époque des Nazca ou des cultures préhispaniques. Pour autant, ça n'en ferait pas une fraude. Regarde, un exemple très concret, c'est Victoria. Victoria, on a fait l'analyse ADN et carbone 14 des os d'une vertèbre et d'une partie de la hanche droite. On a conclu au niveau des radiocarbones qu'elle avait à peu près 800 ans. Nous, à l'Institut Incari, on a fait dater la peau, puisqu'il y a des traces de peau dans le dos de Victoria. Et on a abouti à des résultats qui montrent à peu près une datation 1040 après Jésus-Christ. Alors il y a 150 ans de différence entre les deux, mais grosso modo, il y a de la cohérence. Et si ça avait été un corps
reconstruit par des wakero modernes. J'aimerais bien que les détracteurs m'expliquent comment ils seraient allés trouver dans le désert des os et puis des morceaux. Et de la peau, et de Voilà, la peau voilà. capable d'être retendue, réajustée sur... Ouais. Voilà, et tu sais, dans le désert, une peau de serpent qui a quelques mois, qui a quelques années ou qui a 200 ans, on ne fait pas trop la différence. Alors, comment tu peux rassembler des morceaux d'os, des morceaux de peau, et quand tu les analyses, quand tu fais l'analyse, tu as une cohérence de datation au carbone 14. C'est quand même extrêmement compliqué, quoi. Ou alors, les types, ce sont des magiciens. Donc, on est quand même. Enfin, je ne sais pas, mais je pense que n'importe qui. Il y a un paquet d'éléments qui voilà qui orientent notre jugement vers des momies qui sont exceptionnelles, faut le dire. Oui, et qui nous laissent avec plein de questions en suspens, mais qui ne veulent pas dire, le fait qu'on ne puisse pas répondre à toutes les questions, ça ne veut pas dire que ça, que c'est une fraude. J'imagine que dans l'avenir, on aura des réponses à certaines de ces questions. Il y a eu beaucoup à travers l'histoire, au 19e siècle, au 20e siècle, des espèces de chimères qui ont été fabriquées pour recréer des êtres mythologiques, etc. Mais à chaque fois, on a vu la supercherie, on a vu les agrafes aux radiographies, on a vu la colle, etc. Ben, on ne voit rien de tout ça dans ces momies-là. Alors, je tiens à dire, pour rappeler, dans ce bouquin, on retrouve l'histoire, et il y a quand même cet effort assez incroyable. On retrouve voilà, toutes les analyses qui ont été faites au fur et à mesure. Alors, je vous les passe rapidement, je ne sais pas si vous voyez très bien, les amis, mais on retrouve les analyses, carbone 14, enfin, tout ce qui a été fait autour du dossier. Je tenais à préciser que toi et Alain, vous souhaitiez aussi offrir quelques petits cadeaux aux Nuréens, dont ce livre. Il y a un exemplaire qui était à gagner. J'ai fait un peu, j'ai pris un nom en début d'émission. C'est Paul Olivier Saint. Donc j'espère qu'il est encore avec nous sur live, qui a remporté ce livre et qu'il le recevra. Donc Paul Olivier, si tu nous entends, eh ben, envoie-nous un petit mail sur contact@nurea.tv avec ta boîte mail nominative, histoire qu'il n'y ait pas un petit malin qui prenne ta place. Et notre ami Alain Bonnet se chargera de t'envoyer ce livre, donc Les momies non humaines de Nazca. Paru aux éditions Atlante. Donc Paul Olivier Saint, tu nous envoies un petit mail sur contact@nurea.tv et c'est voilà, petit cadeau de la part de l'équipe Alien Project et Jungle Dog Production. Merci, Avec merci à toi plaisir. Thierry Alain. Et il y aura d'autres petits trucs à gagner dans la soirée. Vous verrez, on ne s'arrêtera pas là. Sur ce dossier Alien Project, je vais voir s'il y a encore quelques questions et on passera sur le deuxième dossier qu'on voulait aborder ce soir. Parce que, encore une fois, on ne va pas refaire tout le dossier. On l'a débattu pendant des heures. Je ne sais pas combien d'émissions on a fait sur Nuria, sur ce dossier Alien Project. Vous le voyez, il y a toujours autant de questions qui se posent et de manière toujours aussi ouverte. Et ça, je tiens à le préciser. C'est un gage, à mon avis, de voir le vrai du faux dans ce dossier, de rester aussi ouvert et intègre que toi, tu peux l'être. Il y a Thibaut Merci. qui nous dit, il faut vraiment que tu trouves le site Thierry, c'est la clé de l'affaire. C'est peut-être pas toi qui le trouveras. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au Pérou qui cherchent, en dehors de Mario et de ses équipes de Wakeros? J'ai cru comprendre que oui, et que il y a quelques mois, il y a l'année dernière, il y avait plusieurs équipes qui s'affrontaient un petit peu dans le polygone du mystère de la culture, dans la Pampa de Nazca, pour avoir le contrôle d'une certaine zone où apparemment il y aurait plusieurs entrées. Et on m'avait dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, certains groupes étaient dans le site et qu'ils vendaient du matériel via une plateforme internet brésilienne. D'accord. Mais ça, bon, nous, on attend que passe la pandémie pour pouvoir aller mettre de nouveau notre nez dans la zone et voir ce qu'il en est. D'accord. Pour finir, on va revenir sur ces six opus documentaires qui vont retracer Ouais. toute l'histoire. Je crois que là, on pourra vraiment tout savoir, tout ce qu'il y a à savoir sur le dossier. Quand est-ce qu'on peut espérer les avoir? Ça sera un accès VOD, puisque là, vous êtes maintenant. Tous les documentaires de Jungle Prod, ils sont sur cette plateforme qui s'appelle Fantastic Entertainment. Ouais. Où on en parlera tout à l'heure, il y a les autres documentaires sur le Machu Picchu et Inca Amazonia qui sont disponibles aussi.
Quand est-ce qu'on pourra espérer pouvoir accéder en VOD à ces documentaires, à ces 6 épisodes? Ben, ça va être la grande priorité d'Alain. Alain, si tu m'entends, ça va être la grande priorité d'Alain pour 2021. Toute son équipe travaille actuellement sur le premier opus. Alain m'a déjà fait voir quelques images, c'est magnifique. Et nous, on a commencé à filmer dès la première rencontre avec Paul Roncero. Donc, on a vraiment des images totalement inédites sur cette affaire. Et c'est un peu ces images que l'on veut mettre à la disposition de. Il y a Alain qui vous répond sur WhatsApp. Et donc, il y a beaucoup d'images inédites. Et on va, je pense que ça va être très complémentaire du livre sorti aux éditions Atlante. Et on va, je pense qu'on va tout voir, tout montrer. Et encore une fois, à la fin de ces 6 films. Bah, que chacun se fasse son idée, mais encore une fois, je pense que il s'est passé quelque chose. Voilà, donc fin 2021, normalement, les 6 films seront disponibles sur la plateforme en VOD. D'accord, voilà qui est clair. On va mettre de côté pour ce soir en tout cas, parce qu'on y reviendra dans les mois ou années à venir, dès qu'il y aura du nouveau. On y reviendra sur ce dossier des momies. Je te fais le pari que dans 4, 5 ans, 45 ans, on en parlera encore et on lèvera des nouvelles questions, on aura des nouveaux éléments. On met le dossier Momie de Nazca de côté, on va s'intéresser à un autre dossier. Celui-là, c'est celui qui t'a amené au Pérou. C'est Ouais. celui qui est, c'est le fil conducteur de tes activités de recherche. C'est cette Ouais. fameuse cité légendaire de Paititi. Est-ce que tu peux nous redire, peut-être parmi nos auditeurs, il y en a qui connaissent pas ce dossier, en quelques phrases, en quelques mots, en quoi ça consiste cette cité de Paititi et qu'est-ce qui fait que toi, tu lui cours derrière? Ben alors, Paititi, pour faire très très court, c'est une cité que les Incas ou leurs prédécesseurs auraient construit en forêt amazonienne. Et c'est aussi l'endroit où ils seraient allés cacher une partie de l'or des Incas après l'invasion espagnole. Il y a une histoire de rançon après l'assassinat d'Atahualpa, le dernier empereur, et la Colla, son épouse, qui cheminait vers Cajamarca avec 15 ou 20 000 lamas chargés d'or pour verser aux Espagnols en échange de la liberté d'Atahualpa. Apprenant l'exécution d'Atahualpa, cette impératrice aurait pris la direction de la forêt pour aller cacher ses chargements d'or. Et c'est à ce moment que l'on commence à entendre de la bouche même des Indiens, un mot mystérieux comme ça, qu'ils se murmuraient à l'oreille, celui de Paititi. Et les premières références, c'est 1534 à peu près, c'est-à-dire quelques mois après l'arrivée des Espagnols et la chute de l'Empire. Alors, en raison de cette histoire de rançon, on a souvent parlé de Paititi Eldorado. Et même ici, au Pérou, on parle souvent de Paititi Eldorado. Il y a eu tout ce fantasme sur ce trésor qui est réel, hein. Mais Paititi, pour nous, c'est d'abord et avant tout une relique archéologique, un grand trésor historique. Et pour moi, à titre personnel, le plus grand trésor que l'on pourrait trouver dans les entrailles de Paititi, c'est des traces de l'écriture. Cette fameuse écriture perdue des Incas qu'on appelle la Quelca, dont on entend parler, dont on a des références, mais on n'a encore jamais retrouvé des traces de cette fameuse écriture. Et pour moi, c'est le trésor des trésors, et c'est ce que pourrait renfermer Paititi. Paititi peut être une seconde capitale de l'Empire Inca, comme un fief secret des Incas. Paititi viendrait du vocable quechua paikikin, qui signifie jumelle ou semblable à. Et donc, on pourrait penser que c'était peut-être une ville jumelle de Cusco et une capitale de la connaissance, une capitale du savoir, nichée quelque part dans les contreforts, les derniers contreforts andins de la forêt amazonienne. On sait que Paititi n'a pas été construit au niveau de la mer.
Si tu veux, donc il y a beaucoup d'explorateurs à travers les siècles qui l'ont cherché en pleine forêt amazonienne. Même le commandant, le colonel Fawcett, qui est mon héros d'enfance, était parti chercher sa cité Z dans le Mato Grosso. Il ne l'a vraisemblablement jamais découvert. Mais on sait que les Incas ont toujours construit leur site stratégique en montagne, parce que c'était des endroits stables et des endroits stratégiques. Et donc, où il fallait chercher Paititi, eh bien, ma foi, c'était dans les derniers contreforts andins, ces contreforts en contact avec la forêt amazonienne. Et ça fait 20 ans qu'on est dessus, et après une vingtaine d'expéditions, je pense que on a relativement bien localisé l'endroit, et ça fait 5 ans qu'on essaye d'y parvenir. Alors, on avait vu lors d'une précédente émission, lorsque le premier opus, parce que là aussi, avec Jungle Dog, vous avez fait des documentaires pour retracer tout le parcours, toute cette histoire assez incroyable autour de cette quête de la cité de Paititi. Le docu, il s'appelle Inca Amazonia. La dernière fois, on avait parlé de l'opus numéro 1. Vous avez l'affiche là qui se présente à l'écran. Donc j'invite celles et ceux qui voudraient en apprendre plus sur le dossier et qui ne le connaissent pas à retrouver dans les archives de Nuria TV, sur la chaîne YouTube ou sur le site Nuria TV. Vous tapez Thierry Jamin ou Inca Amazonia, vous retrouverez l'émission. On en a parlé pendant plus de 2 heures la dernière fois. On ne va pas refaire tout ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Thierry, c'est quels sont les projets autour de cette quête de Paititi, parce que elle n'est pas encore découverte, en tout cas tu n'y as pas mis les Non. pieds. Quels sont les projets, quelles sont les dernières actus autour de Paititi? Déjà toi, au niveau de tes démarches en tant que chercheur, quelles sont les futures étapes dans cette quête de la cité légendaire? Alors, je voudrais dire que, comme tu le présentais, Inca Amazonia, l'opus 1, c'est un film d'une heure et demie qui présente toutes les recherches qu'on a réalisées entre 1998 et 2011-2012. Et l'opus 2, qui est également en VOD, en français et en anglais, présente toutes les recherches que l'on a réalisées entre 2012 et 2019. D'accord. Et au cours de ces dernières années, on a eu la chance, entre 2009 et 2014, de découvrir plus d'une trentaine de sites incroyables dans le nord du département de Cusco, des forteresses, des petits centres de production agricole, des nécropoles, mais également une quinzaine de sites archéologiques, de petites cités complètes, peuplées de centaines d'édifices, avec des petites rues, avec des places, de véritables Pompéi amazoniennes. Je dois dire qu'on les a référencés avec le ministère de la Culture, et toutes ces petites cités, eh bien, sont en contact les unes avec les autres et se dirigent vers le nord du département de Cusco, vers la province de la Convention et le sanctuaire national de Megantoni. Et à partir de 2010, lorsqu'on arrive au sud du sanctuaire de Megantoni, on est en contact avec des Matsigangas, c'est-à-dire des natifs de la forêt qui commencent à nous parler d'une mystérieuse montagne au sommet de laquelle il y a beaucoup de ruines. Et certaines me disent, les ruines que tu cherches, elles sont au sommet. Et certaines nous disent aussi, ce sont les ruines de Panthiakoya. Autrement dit, c'est un synonyme pour désigner la cité de Paititi. Et en 2011, on a eu vraiment l'impression d'être à 20 km de cette fameuse montagne dont plusieurs natifs nous ont parlé. Donc on essayait de la localiser. Et au retour de notre campagne de 2011, j'ai pris contact avec mes partenaires de Spot Image, qui sont devenus Astrium et aujourd'hui Airbus Defence and Space, pour leur demander de nous produire une image chat de cette zone avec les points GPS. Et quelle n'a pas été ma grande surprise de voir en plein milieu de cette photo satellite magnifique une étrange montagne carrée de 1000 mètres de côté, orientée nord-sud. Et alors c'était forcément cette montagne parce qu'il n'y en a pas d'autres comme ça. Et puis un grand rebondissement quand on s'est aperçu en étudiant ces photos satellites qu'à l'ouest, à quelques centaines de mètres de cette montagne, il y avait deux lacs jumeaux et un lac carré. Et dans plusieurs chroniques de l'époque, du 16e, du 17e siècle, on nous dit que Paititi a été construit
près de lacs jumeaux. Et donc, on a tout un faisceau d'informations que l'on a collectées sur le terrain pour nous dire que c'est la localisation de Paï Titi. Et quand on a montré nos images satellites aux natifs de la communauté Matsiganga de Timpia, je me souviens qu'ils se sont regardés entre eux avec un petit sourire et en nous disant oui, c'est Paï Titi, c'est le site de Paï Titi. Et ils nous ont même expliqué qu'en 2003, lorsque le gouvernement péruvien a fait la délimitation du sanctuaire de Megantoni, qui a été créé officiellement en juillet 2004, eh bien, ils ont organisé, les autorités péruviennes, hein, du ministère de la Culture, du ministère de l'Environnement, ils ont organisé une expédition en hélicoptère pour essayer de localiser cette montagne et ces lacs. Et ils étaient avec les Matsiganga et ils n'avaient pas pu la localiser. Et donc, depuis localement, depuis des lustres, on pense que Paï Titi est bien dans cette région. Voilà. Et nous, on y est arrivé, ben, ce n'est pas en remuant les oreilles ou ce n'est pas par hasard, si tu veux, c'est vraiment après 20 ans d'expédition, en suivant un peu comme le petit poucet les sites que les Incas et leurs prédécesseurs ont égrenés au fil des siècles, on est arrivé à cette zone-là. Et à partir de 2012, bon, 2012, il y a une grande parenthèse, c'est la découverte de la porte de Machu Picchu par David Crespi et les fameuses cavités. La fameuse chambre secrète. Voilà la fameuse chambre Je secrète. remonte rapidement pour ceux qui seraient intéressés. Il y a ce bouquin qui explique un peu toute l'histoire. Et là-dessus aussi, on a fait une émission assez complète pour en parler. Tout à fait, où j'ai été diffamé, traité de n'importe quoi par les autorités locales du ministère de la Culture. Et donc, ce livre et les trois films qui sont également en accès sur VOD, on les a fait vraiment pour rétablir la vérité et montrer ce qui s'est vraiment passé à Machu Picchu entre 2012 et 2013, 2011 et 2013. Bref, après la parenthèse de Machu Picchu, on essaye de retourner d'atteindre cette fameuse montagne carrée. On a fait quatre ou cinq expéditions terrestres. Et la dernière terrestre, c'était en 2014, on s'est coltiné les narcotrafiquants. Et ça aurait pu très mal finir pour nous. On a eu beaucoup de chance et on s'est dit, bon, la meilleure manière d'atteindre cette zone, ce sera en hélicoptère. Et donc, depuis 2014, on essaye de convaincre les autorités péruviennes du bien fondé de ces recherches. On a présenté un projet de recherche sans excavation, c'est-à-dire on ne va pas aller creuser, c'est simplement un projet de prospection pour aller confirmer ou non la présence de Paï Titi et comment dire, étudier son état actuel de conservation. Et on vient tout juste d'ailleurs de déposer un projet auprès du ministère de la Culture. C'était au tout début du mois de janvier. Et là, on est actuellement dans toutes les démarches. Alors, je dois dire qu'avec nos amis du district de Megantoni, nous avons réalisé une opération avec la police nationale en septembre 2019 qui nous a permis de descendre de très, très basse altitude sur la montagne carrée et sur les lacs. Et l'hélicoptère, c'était un Mi-17, c'est un grand là, de 30 places. Avait les roues dans la flotte hein, de certaines des lacs, de certains des lacs. On est revenu plus que jamais convaincu que on est bien sur le site de Paï Titi. On a vu des indices qui ne trompent pas. Une chose très inquiétante également, on a détecter comment dire, des visites clandestines dans le site, puisque on a deux coupes d'arbres près du lac qui permet, c'est l'unique point qui permet de descendre en hélicoptère, en hélitreuillage. Et donc, ça ne peut pas être une coïncidence.
on a une aire de 50 mètres sur 50 mètres et une aire de 50 mètres sur 80-90 mètres qui correspondent selon toute vraisemblance à un camp de base, un ancien camp de base et un héliport. Et en 2017, en 2019, septembre 2019, la végétation n'avait pas encore repoussé. Donc ça veut dire qu'il y a eu des entrées dans le site il y a très très peu de temps. Ça signifie quoi? Ça signifie que pendant que nous, on s'échine à essayer de convaincre les autorités péruviennes de nous permettre d'aller étudier le site, eh bien, il y a des clandestins qui y vont, et s'ils y vont avec hélicoptère, c'est qu'il s'agit d'organisations qui ont beaucoup de moyens. Il y a un soutien logistique et donc financier derrière tout ça. Ouais, voilà. Et j'ai du mal à penser qu'un hélicoptère, tu sais, un hélicoptère en forêt amazonienne, ça fait du barouf. Hein. Donc, j'ai du mal à penser que les responsables locaux ne sont pas au courant de ces entrées illégales. Et alors, ces derniers mois, on a écrit au président de la République, au premier ministre. Le problème, c'est qu'en 3 mois, on a eu 3 présidents de la République. Premier ministre, ministre de la Culture, on essaye de sensibiliser tous les responsables politiques pour les convaincre de nous permettre d'aller sur cette zone, on espère cette année, et d'officialiser l'existence de Paititi. On essaye d'attirer leur attention sur le fait qu'à l'heure où on se parle, Paititi est peut-être encore en train de se faire piller. Et donc, nous, on pense qu'on va tomber sur un site en très mauvais état de conservation. Évidemment, les fameux trésors d'or de la Coya, il y a belle lurette qu'ils ont été pillés, qu'ils ont été volés. Il y a peut-être une partie de ce trésor qui a été jetée dans les fameux lacs dont je t'ai parlé, puisque c'est ce que raconte également la tradition, notamment certaines chroniques parlent de la Yawirka, qui était une chaîne en or qui faisait à peu près 250 mètres de long avec des petites tuilettes, et les Incas la faisaient déambuler dans les rues de Cusco pour mimer un peu le mouvement d'un serpent. Et c'est l'empereur Huayna Capac qui l'avait fait construire, qui l'avait fait fabriquer pour commémorer la naissance de Huascar, le demi-frère d'Atahualpa. Et donc, cette chaîne aurait été jetée dans un lac près de Paititi. Alors, quand on voit la profondeur apparente de ces fameux lacs, qui ressemblent beaucoup, tu sais, Guillaume, au cénote de la région des Mayas, au Yucatan, on dirait des puits. Ça a l'air vraiment très profond. Ouais, comme donc ça, ça paye pas de mine. On voit deux lacs juxtaposés. On dit, bon, ben voilà, il y a deux mares. Excuse-moi l'expression. Ouais, tu ouais, tu ouais. confirmes, toi, que c'est des trous d'eau relativement profonds. Ouais, ça a l'air assez profond parce qu'on a étudié ces lacs même en pleine saison sèche, et ils sont toujours pleins. Donc, il doit y avoir un système très intéressant, d'ailleurs, entre parenthèses, géologiquement. Il doit y avoir des connexions intéressantes. Et donc, une partie de ce matériel existe peut-être encore dans ces lacs, mais on ne pense pas qu'on trouvera dans les murs de Paititi des statues en or ou des objets ouais. comme ça. Tout ce qui a une valeur sur les marchés officieux de l'art archéologique, a déjà disparu. Il y a beaucoup de questions, il y a une question qui revient souvent, pardon, c'est une technologie que certains appellent le LIDAR, alors moi je ne connais pas spécialement, apparemment c'est un outil de détection, est-ce ouais. que tu connais cette technologie, est-ce que c'est quelque chose oui, que bien sûr. Vous avez utilisé ou que vous comptez utiliser dans le cadre de cette quête de Paititi? Alors c'est une technique très intéressante, mais par rapport à nos recherches à nous, si tu veux, pour utiliser un LIDAR, il faut soit le mettre sous un avion, une avionnette, soit sur un drone. Et un drone, ça veut dire que de toute façon, il faut s'approcher du site, parce que les drones que l'on utilise actuellement pour ce genre de... à moins qu'il s'agisse de drones militaires. Ce n'est pas les drones de l'armée américaine pilotés depuis un autre voilà. continent. Là, ce serait des drones... même de qualité, qui ont une portée limitée de voilà, commandes. Donc,
Donc, nous, le problème, ce sont les autorisations, surtout du ministère de l'Environnement. Et donc, pour utiliser le LIDAR, il faut de toute manière ces mêmes autorisations. Alors, moi, je préfère descendre carrément en rappel avec mon équipe en hélicoptère et aller voir, puisque le point de descente en hélicoptère est à 300 mètres des ruines, puisqu'on les a localisées. Donc, voilà. Après, une fois qu'on est sur place, effectivement, lancer un drone avec un lidar pour avoir une bonne appréciation de la zone archéologique, effectivement, ce serait une technique magnifique qui a été prouvée, éprouvée au Yucatan, dans la zone culturelle des Mayas, qui a permis de faire des découvertes extraordinaires ces dernières années. Mais pour nous, donc, directement, c'est vraiment de mettre les pieds sur le site. D'accord. Alors, tu vois? un commentaire qui va nous amener à la suite, parce qu'il y a quelque chose que tu m'as appris récemment et qui est assez surprenant. Yves qui nous dit, le Pérou est l'un des pays les plus corrompus au monde. Déjà, est-ce que... plus corrompu au monde, c'est dur d'établir un classement, mais est-ce que tu nous confirmes qu'il y a des suspicions de corruption, notamment à tout ce qui touche à l'archéologie et au ministère de la Culture? Je serais vraiment de mauvaise foi de te dire le contraire. C'est un euphémisme. Mais d'ailleurs, tous les médias tout le temps le dénonce. D'ailleurs, hier, j'ai mis une information sur mon mur Facebook pour dénoncer des faits de corruption au plus haut niveau en ce qui concerne les vaccins du Covid. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais oui, malheureusement, alors, il y a des corruptions en Europe, aux États-Unis. Il y en a partout. Il y en a partout. Dès qu'il y a du pouvoir, il y a de la corruption. Exactement. Mais oui, il y a de la corruption et le ministère de la Culture, le ministère de l'Environnement ne sont pas malheureusement étrangers à ces pratiques qui ne devraient pas exister, qui se font très, très souvent contre les intérêts même du pays. Tu vois, des fois, on se demande si les autorités péruviennes ne préfèrent pas que Paititi soit pillée par des Péruviens plutôt que découverte par des étrangers, entre guillemets. C'est un peu le problème que tu avais rencontré à Machu Picchu déjà, où on avait bien compris en suivant de près l'histoire que ça embêtait quand même les autorités péruviennes, que ce soit un chercheur français ou européen ou étranger au Pérou qui découvre, qui Tout fasse à une fait. découverte sur le site emblématique du Pérou. Tout à fait, c'est d'ailleurs ce que la première dame du Pérou m'avait dit à l'époque, hein, puisque j'avais été reçu au palais présidentiel, j'avais rencontré les assesseurs, les conseillers de Ollantaytambo, j'avais rencontré Nadine Heredia, ils m'avaient dit, bon, t'es étranger, on est dans un gouvernement national-socialiste, tu parles de Machu Picchu qui est l'icône touristique du Pérou, tu parles de Pachacutec qui est le symbole de l'identité andine, tu parles de dépôts d'or et d'argent, on va jamais te permettre d'ouvrir cette fameuse entrée. Mais bon, les fonctionnaires locaux du ministère de la Culture ont fait tellement de polémiques qu'ils l'ont eu également dans l'os, si tu me permets l'expression, parce qu'ils n'ont pas pu faire non plus l'ouverture. Ils n'ont pas pu faire cette ouverture et on imagine que, bon, elle viendra dans 10 ans, 20 ans. Ce que l'on a trouvé, on les a trouvés. Ce que les géoradars ont enregistré dans le sous-sol, les cavités, etc., les dépôts métalliques, ils ne les ont pas inventés. Hein. C'est comme une radiographie. Si une radio te prend un os en photo, c'est qu'il y a bien un os. Bon, ben là, les cavités, il y a bien elles des sont cavités. Là. Ouais, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pourtant, fermé aux étrangers, on essaie de se mettre à la place, tu sais. Moi, j'imagine par exemple une équipe péruvienne d'archéologues, de chercheurs qui viennent et qui se mettent à bosser. Ils ont retrouvé Gergovie ou Alésia et ils commencent à creuser, à dénicher. Peut-être qu'en France, on réagirait, les autorités réagiraient pareil. Exactement. En disant, vous êtes sur un site important symboliquement pour l'histoire française. Laisser place à des archéologues français, ça on peut Tout le comprendre. Fait. Mais ils sont pas si fermés que ça à l'étranger, s'il y a de la monnaie. Et là, j'en reviens à cette histoire de corruption mentionnée par Yves dans les commentaires. Et là, il y a une histoire quand même assez incroyable, je te laisse nous l'expliquer, avec des amis danois qui, eux, ont eu certains accès. Alors, c'est pas des amis. Hein. Non, oui, mais quand je dis amis, c'est... je Alors ne les connais que... pas. Ouais, non, mais c'était fin décembre, c'est-à-dire il y a un mois, quoi. Il y a Hilbert Soumiret, qui est un archéologue de l'Institut Incarie, qui est le directeur du projet que l'on a présenté.
Et dans le cadre des démarches, on allait au ministère de la Culture et il rencontre l'un de ses collègues, un anthropologue, qui dit: Ah, mais j'y suis allé vers la Montagne Carrée en 2019. Et donc, Hilbert a ouvert les yeux comme ça et on l'a invité ici à l'Institut Incarie et on lui a demandé donc des informations. J'étais vraiment très, très sceptique quand même. Et il nous a raconté que, une équipe de journalistes danoises, utilisant les informations que nous-mêmes on a diffusées sur Internet, ont organisé une expédition dans la région de Mégantonie. Alors imagine-toi, en même temps que nous-mêmes, lorsqu'on a fait le survol avec la police nationale le 28 septembre 2019, eh bien, il y avait une équipe danoise déjà dans la communauté de Timpia. Et alors, ils ont chargé du matériel dans des péké-péké, ils ont remonté, ils sont allés dans la zone interdite du sanctuaire de Mégantonie. Et puis, ils se sont approchés pratiquement au pied de la montagne carrée, d'après ce qu'on nous a dit. Et ensuite, un hélicoptère privé est venu les chercher. Ils ont survolé la région, la montagne carrée et à Les Blaises. Et ils sont repartis. Ils n'ont été inquiétés à aucun moment. Et ce que nous disait cet anthropologue, c'est que ils ont arrosé, tu vois. Ils ont arrosé le garde-parc. Alors, le CERNAMP officiellement n'a pas donné son accord pour l'entrée de l'équipe danoise dans la zone réservée, mais le garde-parc a reçu de la thune. Le président de la communauté de Timpia, qui était un jeune, tu sais, tu as des élections tous les 2 ans, et alors il a été écarté en décembre dernier, mais le président de cette époque, il a reçu de l'argent de la part de l'équipe de télévision qui s'appelle Pipeline Production, entre parenthèses. Tu pourras mettre un bip, hein, peut-être après. Non, mais je pense qu'on a le droit de citer le nom de la production de ces gens-là. Oui, puis d'ailleurs, c'est vrai. Donc, voilà, ils auraient reçu un permis du vice-ministère de Interculturalidad qui fait partie du ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture n'avait aucune habilitation, pardon, pour donner ce type de permis. Et encore une fois, on m'a parlé de ça, tu vois. Alors vraiment, tu vois, ça nous met en colère. Et en plus, alors l'équipe de télé en a fait 4 reportages, 4 documentaires, qui ont été diffusés le 28 janvier 2020. Et les 3 premières semaines de février 2020. Ils ont même obtenu un prix en novembre dernier pour le prix de l'aventure, le machin, enfin le prix de l'aventure d'Europe du Nord, des pays scandinaves. Et ils nous ont aussi raconté, enfin bon, c'est dingue. Le mec, dans le premier, au début du premier épisode, j'invite les internautes, hein, il faut aller sur la TV2. Puisque ça a été diffusé sur la deuxième télé publique danoise. Et c'est accessible en streaming, hein, sur la chaîne. Mais sur Facebook, il y a plusieurs teasers. Et à Les Blaises, au début du premier épisode, le mec, le journaliste, montre nos photos satellites en disant qu'il a découvert la montagne carrée, que c'est la probable localisation de Paititi, etc. En gros, Non, et tu... ils s'approprient des travaux qui ne sont pas les leurs. Ah oui, non, exactement. Non, mais alors là, ça fait réagir, hein. Alors, je peux te dire que là, toute mon équipe actuellement, on est sur cette affaire. On a demandé aux autorités péruviennes qu'ils nous produisent toutes les lettres. Parce que ici, je ne sais pas si ça existe en France, mais il y a une loi d'accès à l'information publique. Et donc, on l'a fait agir. Et on a demandé toutes les cartes, les lettres qu'ils se sont échangées, les rapports, les autorisations, qui a donné les autorisations. Et là, on attend les réponses là actuellement, parce que franchement, il y a des responsabilités. Bon, il y a des fonctionnaires qui vont devoir rendre des comptes, hein. Ouais, y a une rigueur et des blocages des autorités qui sont un peu à géométrie variable. Exactement.
Et alors attends, il donne un permis à une équipe de journalistes pour aller dans ces régions et à une équipe de chercheurs. On est constitué seulement de scientifiques. C'est une équipe pratiquement à 100% de Oui, Péruviens, des alors. archéologues, des anthropologues. Et nous, on nous oppose un tas d'obstacles assez hallucinants. C'est bien de le rappeler aussi, parce que ton équipe, quand tu pars dans ces expéditions, on l'avait déjà vu dans le premier volet d'Inca Amazonia, t'es pas tout seul. Toi, t'es un peu le coordinateur, le Ouais. chef d'équipe, celui qui influe la dynamique, mais autour de toi, il y a des archéologues, il y a des gens qui sont aussi des milieux académiques et qui sont tout à fait aptes à gérer ce type de recherche. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on va dans ces zones, c'est toujours dans le cadre de projets autorisés par le ministère de la Culture. Et il y a toujours un archéologue superviseur, c'est comme ça qu'on les appelle, qui représente le ministère de la Culture et qui nous accompagne et qui fait son travail de supervision, Allez, les etc. choses sont super carrées. Voilà. Et en plus, les projets enfin, le projet de recherche qu'on a présenté, c'est sans excavation, c'est-à-dire ce n'est que de la prospection. C'est-à-dire on ne va pas aller faire de trous pour chercher du matériel archéologique. Tu vois? Et bien, malgré ça, on a énormément de problèmes pour. Et donc, on a tellement de problèmes d'ailleurs qu'on se dit, mais c'est pas normal. Le ministère de la Culture, mais surtout le ministère de l'Environnement, ils essayent de cacher quelque chose. Parce que vraiment, c'est pas logique les types d'obstacles que l'on nous oppose. Et quand on a vu les coupes d'arbres, ben on commence à comprendre un petit peu. Et on se demande si certains fonctionnaires ne couvreraient pas certains trafics. Ouais, y a pas un truc plus gros derrière et plus Ouais, encombrant pour voilà. les autorités. Voilà, et peut-être qu'ils essayent également d'éviter un scandale, le scandale du saccage, du pillage de Païtiti. Parce que crois-moi que si c'est le cas, ça va faire jaser, ça va faire un scandale. Parce que Païtiti, ce n'est pas n'importe quel site, c'est vraiment la première cité perdue, la cité mythique dont on a commencé à entendre parler depuis le début du XVIe siècle. C'est vraiment c'est une légende, c'est un mythe, tu vois? Et alors, cette année 2021, c'est le bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Il va y avoir des commémorations au mois de juillet. Et quel meilleur cadeau que l'on pourrait faire au peuple péruvien en ces temps de pandémie, de tristesse, où tout le monde, en France, c'est pareil, on est accablé de mauvaises nouvelles chaque jour avec ces statistiques et ces chiffres maudits de décès, etc. Enfin, on pourrait donner au pays et au patrimoine mondial un grand site archéologique et on essaye, encore une fois, de convaincre les autorités de nous laisser faire cette opération. Ouais, ça serait. C'est l'année ou jamais, on en parlait l'autre jour, c'est l'année ou jamais, symboliquement, pour faire avancer les choses. Tout à fait, on a vraiment une bonne conjoncture. Alors évidemment, autant te dire qu'on va utiliser ce précédent de cette production-là qui est allée dans la zone sans permis, de manière illégale. Mais c'est aussi le contexte économique au Pérou et à Cusco où 70% de l'économie ici, c'est le tourisme. Le tourisme s'est entièrement effondré à Cusco. Il y a pratiquement peut-être quelques touristes nationaux, mais il n'y a plus d'Européens, plus d'Américains, etc. Donc totalement sinistré. Et je pense que la découverte, l'officialisation de l'existence de Païtiti pourrait vraiment créer une espèce de commotion au niveau mondial et donner à des millions de touristes l'envie de venir découvrir ou redécouvrir les richesses de ce beau pays, tu vois. Mais peut-être que On sait que. les Pardon? autorités péruviennes ont un autre plan par rapport à tout ça, ce Oui, qui mais moi expliquerait les blocages. je sais que moi je suis toujours trop naïf. Mais on sait que les touristes ne vont pas venir visiter les ruines de Païtiti de toute façon avant 10 ou 20 ans. Mais au moins, ils peuvent déjà venir visiter les différents sites dont je te parlais tout à l'heure dans la vallée de Lhaco Yavero, de Chuchusmayo, etc. Parce que ils n'auraient besoin que d'une comment dire que d'une un bon nettoyage
pour les donner déjà accessibles aux touristes. Donc on a vraiment une grande alternative à côté de Machu Picchu, parce qu'ici, Machu Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu, mais les gens auront bonne mine quand Machu Picchu va dégringoler dans le fond de la vallée, ils n'auront plus rien pour promouvoir leur tourisme. Et donc ici, au Pérou, dans le département de Cusco, ils ont la chance d'avoir ce matériel, cette richesse archéologique. Et Et voilà quoi. il faut l'exploiter à un moment ou à un autre, enfin l'exploiter, la mettre en valeur. Tout à fait. Moi, je ne suis pas contre le tourisme. Je suis pour un tourisme intelligent qui soit donnant-donnant, c'est-à-dire les touristes, eh bien, qu'ils puissent accéder à ces sites, mais que ce soit également au bénéfice des populations locales qui leur permettent d'avoir des écoles, des dispensaires, l'accès à l'électricité, à Internet, à l'eau potable, etc. Donc, et d'ailleurs, toutes ces populations sont demandeurs de cette modernité, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment 2021, ça peut être vraiment une bonne opportunité pour officialiser ce grand site. Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est vraiment là que se situe la cité perdue. D'accord. Bah d'ailleurs, j'ai une petite vidéo que toi et Alain, vous souhaitiez nous partager sur la Montagne Carrée, une captation issue de cette fameuse expédition de 2019, c'est ça, en hélicoptère. Ouais. Donc on va la diffuser avant une question de Freddy017 qui nous dit est-ce comment on peut voir le film Inca Amazonia? Ça, je pense, que je vais pouvoir répondre. Donc je rappelle Inca Amazonia, il y a deux opus qui sont déjà disponibles sur la plateforme que j'ai nommée tout à l'heure Fantastic Entertainment, hein, c'est une plateforme VOD. Un peu comme n'importe quelle plateforme de location de vidéos. Vous avez le site, les amis, juste sous la vidéo, dans le texte de présentation, pour aller sur la plateforme Fantastic Entertainment. Je rappelle donc, il y a les deux opus d'Inca Amazonia, et il y a les trois opus également de Machu Picchu, la chambre secrète, 1, 2 et 3. Donc il y a déjà 5 docus qui sont en ligne, en attendant les 6 épisodes de Alien Project dont on parlait tout à l'heure. Je parlais de cadeaux aussi. Toi et Alain, vous souhaitiez offrir des accès à ces docu VOD. Il y a trois accès aujourd'hui. Donc pareil, bah, j'ai fait un petit peu de manière arbitraire. J'ai pris des noms parmi le chat. Donc juste pour vous dire, bah, Freddy, justement, qui pose la question, Freddy017, il y a Valérie Château également et Nana Rodriguez. Donc tous les trois, Freddy, Valérie et Nana, vous nous envoyez un petit mail sur contact@nurea.tv et puis on arrangera tout ça pour que vous receviez le lien pour accéder pour un accès gratuit au premier volet d'Inca Amazonia, le fameux Inca Amazonia numéro 1. Et en parlant d'Inca Amazonia et de ce site de Megan Tony, je le prononce bien? Oui, Ouais, ah, pas mal. Mélenchon. Megan Tony, on va diffuser cette petite vidéo assez courte de survol au-dessus du site. C'est parti! Donc petit partage, merci à toi et Alain sur cette vidéo de la Montagne Carrée. J'imagine qu'on en verra beaucoup plus lors de la sortie. Normalement, pardon, Guillaume, normalement, dans quelques semaines, on devrait diffuser une vidéo beaucoup plus large d'une vingtaine de minutes de la Montagne Carrée, notamment pour dénoncer cette situation des entrées illégales. Il y a une chaîne de télévision nationale ici au Pérou qui est intéressée par cette affaire. Et on attend juste une fenêtre. Malheureusement, il y a toujours l'actualité du Covid qui fait que ça monopolise toujours les actualités, et aujourd'hui plus que jamais. Mais d'ici quelques petites semaines, on devrait en savoir davantage, en montrer davantage sur cette affaire. Je voudrais également faire une petite parenthèse sur Inca Amazonia.
L'une des raisons pour lesquelles on a voulu faire ces deux films, c'est montrer comment on est arrivé depuis les pyramides de Paratoari en 1998 jusqu'à la montagne carrée en 2021 qui est à 250 km, comment on est venu, quel cheminement intellectuel, quelles rencontres on a fait sur le terrain, des rencontres archéologiques, mais surtout des rencontres humaines, parce que sans les rencontres humaines, on ne serait jamais arrivé jusqu'au nord de Mégantonie et jusqu'à la localisation très probable de Paititi. Pour expliquer que ce n'est pas un hasard si on pense avoir localisé Paititi ici. À voir, Inca Amazonia, moi j'ai été fan, j'ai dévoré le livre, C'est sympa. les docus pareil, donc je vous invite vraiment, si le sujet vous intéresse, vous ne serez pas déçu du voyage. Il y a deux documents, Thierry, que vous m'avez fait parvenir, toi et Alain, avant l'émission, Oui. deux documents officiels, sous forme de courrier. Le premier, c'est Carta de Solicitud de Autorización pour la Ejecución del Ah bah ça. proyecto. Alors, je vais pas le faire en entier, je vais l'afficher. Est-ce que tu peux nous dire sur ces documents en quoi ça consiste pour qu'on comprenne quelles sont les démarches entreprises pour les futures explorations du site? Ben ça, c'est la couverture ou le premier document du dossier que l'on a présenté au ministère de la Culture au début du mois de janvier pour demander l'autorisation de réaliser ces recherches archéologiques de superficie. Encore une fois, ce n'est pas pour creuser, c'est que de la prospection, pour aller confirmer ou non la présence de Paititi dans cette zone et pour vérifier son état actuel de conservation. Et donc c'est le document officiel donc qui fait 80 pages à peu près avec toutes les données techniques, qui est dirigé par un archéologue professionnel. Il y a toute une équipe autour de nous et c'est donc le document qui fait actuellement l'objet d'une étude dans les services du ministère de la Culture. On devrait normalement avoir des nouvelles dans quelques jours ou dans quelques semaines. Alors, il y avait un deuxième document, j'imagine que pareil, c'est relatif au dépôt de ce dossier. Il y a même un coût, c'est ce combien on paye pour déposer un dossier auprès du ministère de la Culture Oui, pour qu'il c'est soit étudié. 380 soles, c'est un peu plus de 100 dollars pour déposer un projet de recherche sans excavation. Avec excavation, c'est encore plus cher. Voilà. Concrètement, quand est-ce que tu espères pouvoir retourner sur... Le survoler, t'y poser, en termes de période, tu as déjà une idée de la période sur laquelle toi et ton équipe vous allez vous rendre sur place, si vous avez ces autorisations? Si on peut le faire à partir du mois de mai et jusqu'à la fin du mois de septembre, début octobre. Alors, le 28 juillet, il y a le nouveau président. Tu sais, en avril, on a des élections générales au Congrès et des élections présidentielles. Et le nouveau président va prendre ses fonctions le 28 juillet, c'est la coutume. Et donc, on aimerait, dans cette époque-là, pouvoir officialiser quelque chose. Tu vois, donc d'ici là, ça voudrait dire que l'on ait réalisé cette opération. Et en fait, on ne demande que de rester 5-6 jours sur place. Tu vois, parce qu'avec l'hélicoptère, tu gagnes 2 semaines de trajet. On pense que les ruines sont tellement proches du point de descente, de décharge. On parle de 300 mètres à peu près. 300 mètres, hein. Je ne parle pas d'un kilomètre ou 2 km. C'est vraiment 300 mètres. Eh bien, on va dire dès le premier jour, on saura s'il y a des évidences archéologiques. Et donc, on demande de rester 5 jours à peu près dans la zone. Je pense que ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. On essaye vraiment de faire le minimum pour limiter l'impact environnemental de l'hélicoptère et de notre présence. Et il faut vraiment que les autorités péruviennes l'entendent et le comprennent. En plus, c'est vraiment. On leur demande pas 1 dollar, c'est vraiment 100% des financements privés. Et c'est gagnant-gagnant, cette affaire. Donc voilà, on est en train de batailler pour convaincre. Et bon, voilà, je veux pas.
anticiper, mais je suis de nature optimiste. Donc, on arrivera forcément à trouver le bon chemin et avoir les autorisations. On croise vraiment les doigts pour toi, parce que devant tant d'enthousiasme et tant de j'allais dire persistance, il y a un autre mot, mais je ne le trouve pas. En tout cas, tu lâches pas l'affaire, et c'est tout à ton honneur, vraiment. On est tous derrière toi, Thierry. On va finir cette émission, si tu veux bien, on va prendre quelques questions des auditeurs. Avant ça, je rappelle quand même quelques ouvrages qui me semblent essentiels si vous vous intéressez aux travaux de Thierry. On en a peu parlé ce soir, même si tu nous as donné quelques infos sur ce Machu Picchu et la chambre secrète. Là aussi, dossier à suivre. Sera-t-elle ouverte un jour? Tu me l'as déjà dit en off, elle ne sera pas ouverte par toi, parce que la situation ne te semble pas propice à ce que un explorateur français ait cette chance-là. Mais espérons que les... Et puis ça prendra du temps. Et ça prendra 10, 20 ans, une fois qu'il faut oublier le scandale de 2013, etc. Et donc, faut donner du temps au temps, quoi. Mais ça se fera, parce que pour moi, la vérité, c'est toujours la plus forte. Et on sait que ce qu'il y a dans le sous-sol de ce temple, ça existe. Donc, tôt ou tard, forcément, ça se fera. Éternel optimiste, j'adore. Il y a ce livre aussi, je vous le rappelle. Donc ça, c'est aux éditions Atlante, Les momies non humaines de Nazca. Gros, gros cadeau à se faire, ça, je vous invite fortement. Je rappelle aussi qu'il y a les deux documentaires, donc Inca Amazonia. Je vous fais un petit partage d'affiches, les amis. L'opus 1, on en avait parlé. L'opus 2, qui est également disponible... Donc sur... non, ça c'est l'opus 2 et je vous montre l'affiche, voilà, de l'opus 1 qui sont disponibles sur la plateforme Fantastic Entertainment. Là aussi, vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez accéder à cette plateforme VOD. Machu Picchu aussi, il y a les trois opus qui sont disponibles. Je vous rappelle aussi, les amis, là, c'est pour Nuria TV. Si l'émission vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce... si possible vers le haut, si c'est vers le bas, oubliez de cliquer, ça ne me dérangera pas. Ça aide toujours au référencement des émissions. Et puis merci en tout cas à toutes et à tous pour votre présence. Je vais essayer de sélectionner quelques questions pour terminer ce direct. C'est parti, attention. Alors, Yann qui dit: que vont-ils chercher s'ils ont l'autorisation? Point d'interrogation, l'or en priorité, point d'interrogation. Et là, tu as répondu tout à l'heure à Thierry en disant que toi, c'est pas le trésor que tu cherches au sens de l'or, c'est le trésor culturel et cette fameuse écriture. Tu peux nous en dire quelques mots sur cette écriture inca qui n'a pas encore été trouvée, enfin son origine? Oui, on en entend parler. Il y a un site archéologique extrêmement intéressant dans le parc national du Manu qui s'appelle Poucharo, où il y a des pétroglyphes, il y a plusieurs parois. On a pu déterminer qu'il s'agissait d'une carte géographique mémoire. Il y a des montagnes, il y a les cours de Rio, il y a des soleils, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument unique au Pérou. Mais parmi ces centaines de glyphes, il y a également des espèces de cartouches à l'intérieur desquelles on trouve des symboles de type idéographique. Et on a pu voir, grâce à Poucharo, on a pu localiser une douzaine de sites archéologiques. Et on a remarqué, par exemple, qu'à chaque fois qu'il y avait un site avec de l'eau, un rio, etc., il y avait ce signe en forme de point d'interrogation. Et donc, on a vu comme ça l'existence de plusieurs signes idéographiques. Et c'est la raison pour laquelle Poucharo pourrait être pour moi un peu comme la pierre de Rosette de la civilisation Inca. Et la civilisation Inca... alors on s'étonne qu'elle était avancée sur le plan politique, technologique, etc., mais qu'elle n'avait pas inventé la roue ni l'écriture. Et pourtant, dans le Quechua, il y a le terme écriture. C'est le mot quelqu'un. Quelqu'un signifie écriture, lettre. Et puis il y a toute une lexicographie pour désigner celui qui sait lire, pour signifier le support de l'écriture. Et puis, il y a des légendes, des traditions, des chroniques qui parlent de l'existence d'un temple, le Pukinkancha, qui était à quelques centaines de mètres d'où j'habite, dans le district de Santiago, qui était un peu les archives nationales de l'Empire Inca, où les Incas conservaient à la fois les quipus, c'est-à-dire les cordelettes à nœuds qui servaient à la comptabilité nationale, mais on parle également de tablettes, des tablettes en or,
commandé par l'empereur Pachacutec pour écrire l'histoire des Incas. Et puis on parle de tablettes sur bois ou sur peau également. Et tout ce matériel a disparu avant l'arrivée des Espagnols à Cusco en 1533. Et moi, je me dis que Paititi, c'est un site qui n'a jamais été touché par les Espagnols. Eh bien, dans quelques temples, dans quelques cavernes de la montagne Carrée, des temples souterrains, on pourrait très bien imaginer retrouver des traces de cette écriture, les traces de la Quelca. Et la Quelca, l'écriture, c'est vraiment le trésor des trésors archéologiques. Tu trouves l'écriture, tu redonnes la parole à un peuple. Et donc, l'histoire commence avec l'écriture. Donc, pour moi, découvrir des traces d'écriture à Paititi, ce serait vraiment la consécration, ce serait vraiment le plus grand des trésors. Tu vois? D'accord, Donc, c'est ouais. peut-être ça que l'on trouvera dans les entrailles de Paititi. On croise les doigts. Voilà. Une autre question, toujours sur la montagne Carrée, sur Paititi, c'est Chouani Tinkerbell qui te demande, le lac Carré pourrait-il être une entrée volontairement noyée par l'eau des autres lacs? Alors c'est très intéressant parce que beaucoup de personnes ont évoqué la possibilité qu'il puisse avoir des entrées dans le lac Carré. Pourquoi pas? On est quand même très étonné de la symétrie des deux lacs jumeaux qui sont vraiment l'un en dessous de l'autre et de ce lac Carré. L'une des hypothèses sur Paititi, c'est que les Incas ou leurs prédécesseurs auraient trouvé dans les montagnes du Panticoya de fabuleuses mines d'or et qu'ils auraient construit une cité à côté. Alors c'est une hypothèse intéressante et l'existence de ces réservoirs, de ces lacs jumeaux, on se demande si, parce qu'il y a des canaux, on a vu qu'il y avait des canaux qui étaient en connexion. Avec chaque lac, on se demande si ce ne serait pas un système pour nettoyer du minerai, si tu veux. Et bon, là, il faudra à l'avenir faire des recherches. Une fois qu'on aura officialisé l'existence de Paititi, il y en aura pour des années et des générations d'archéologues pour étudier le site. Et on trouvera peut-être des choses comme ça, mais des entrées à l'intérieur, pourquoi pas? Va peut-être falloir prévoir un peu de matériel de plongée pour l'expédition. Ouais, ben on a un drone sous-marin, on a un D'accord. plongeur qui doit participer à l'opération justement, et pour essayer de voir ce qu'il y a éventuellement à l'intérieur. Mais ça a l'air profond et ça a l'air quand même assez compliqué. D'accord. Affaire à suivre. Affaire à On suivre. va suivre attentivement. Et puis, de toute façon, je sais qu'on te retrouvera sur Nuria TV ou ailleurs. Sur Nuria TV, je me fais pas trop de soucis pour suivre tes recherches, tes travaux. Thierry, un grand, grand merci pour le temps que tu nous as consacré encore une fois. Et puis, Ben, un grand merci à pour ta toi. générosité en info, fidèle à toi-même. Non, vraiment, j'étais très heureux de te retrouver après ces quelques mois sur notre antenne. Eh ben, c'est un plaisir partagé. Je te remercie infiniment, Guillaume, et je remercie à tous nos amis internautes pour avoir eu la patience de nous écouter jusqu'au bout. Et puis ben, j'espère qu'ils seront nombreux à aller visionner, si ce n'est pas déjà fait, ces documentaires. Ils sont vraiment de grande qualité, que ce soit pour leur contenu et leur réalisation. Bravo à toute l'équipe, un grand bravo spécial à toi et à Alain. Alain, un grand merci pour ton professionnalisme. Et puis ben, je te dis à très 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 bientôt sur Nuria. Merci Guillaume, à bientôt. Salut Ciao! les amis, ciao. Les Nuréens, merci infiniment à vous d'avoir été encore nombreux ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui savent échanger, discuter, même si on n'est pas d'accord. Encore une fois, vous avez le droit sur tous les dossiers qu'on traite de ne pas être d'accord, de ne pas y croire, ou d'y croire, ou d'avoir des arguments pour ou contre. C'est aussi ce qui fait la beauté de la chose. En tout cas, merci de savoir le faire de la manière la plus respectueuse qui soit. Je suis vraiment très très fier de vous avoir comme Audimat. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, prenez soin de vous, et puis comme d'habitude, vous n'oubliez pas, on garde les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt, ciao!